La sangria fort vous présente Farfa. On est fatigué, ça fait quoi? Si elle s'occupe de moi, si elle le fait, c'est par amour. Oh toi jaloux, faut chercher pour toi. Oh oui, moi je l'aime. Ça fait quoi? Les gens t'ont insulté à cause de la chanson. C'est pas grave. Donc les gens ont dit que oui, les mousseurs, c'est des gigolos, c'est des gars. Voilà, ils préfèrent sortir avec les femmes qui ont l'argent. C'est pourquoi ils ont fait une chanson comme ça. Où on dit, si elles s'occupent de moi, hein, et tout ça. Hein. On dit que vous êtes des gigolos. Qu'est-ce que tu dis de ça? En fait, la chanson est partie d'abord. Un soir, on était au Petit Piment, parce qu'à l'époque, on gérait le Petit Piment. Oui, c'est manager à l'époque. Voilà, on était manager, la métropole de Guizou et moi. Et on se rappelle qu'on avait une grande sœur qui nous fréquentait, qui avait des problèmes avec son jeune mari. J'étais le nom parce que elle sortait avec un gars aussi connu et les gens traitaient le gars de gigolo, elle nous expliquait les problèmes et tout. Et on s'est inspiré de ce qu'elle nous disait pour pouvoir composer la chanson. Donc, quand on a voulu suivre le concert de Franky DiCaprio, on s'est dit, bon, fatigué, mais il faut qu'on trouve au moins quelques tests pour accompagner. Qu'est-ce qui te fatigue? Ça fait quoi? C'est ce que mon seul le fait, c'est par amour. Toi, jaloux, on est fatigué de ce que vous dites, on est fatigué de raconter. C'est comme ça que le truc a pris. À l'époque, quand on draguait les filles disaient, ah non, on n'a pas l'argent. Hein. Non, toi, vous là, c'est l'argent. Ça nous frustrait, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Ouais. C'est ça. Vous avez assumé. On a assumé, en tout cas. Alors, à propos de la mort de Guizou, bon, moi, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Oui. Mais vu qu'à un moment, voilà, toi, tu étais beaucoup plus aussi en Côte d'Ivoire pour soutenir Guizou, vous avez vos affaires, comme tu avais déjà dit. Mais quand Guizou est décédé, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Voilà, on dit que c'est toi qui l'as tué. Hein. On s'est dit les trucs comme ça. On dit, ouais, Delmas a tué son ami Guizou parce qu'il veut prendre tous les points, il veut que c'est lui, on voit tout ça, machin. Comme il sait qu'il y a certaines personnes qui ont eu des critiques virulentes par rapport à ça. Et aujourd'hui, avec tout le temps qui est passé là, voilà, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, quel est ton ressentiment par rapport à ça? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Excuse-moi d'aborder ces termes, on va dire. Triste comme ça. Pour moi, c'était très lâche de la part de certaines personnes, très idiot, très bête, de réfléchir de cette manière. Excuse-moi de le dire. Mm-hmm. Parce que. On n'a pas entendu. Guizou et moi, nous étions comme des frères. Tu comprends? Je nous ai connus. Mm-hmm. C'est ça comme on a commencé. Et ce qui me faisait mal, c'est que ceux qui ont été au début de notre amitié, ceux qui ont été là, il y en a beaucoup qui m'ont critiqué, qui ont dit des choses méchantes. Très, très, très méchantes. Et ça m'a fait mal. Ça m'a tellement fait mal qu'à un moment donné, je savais vraiment pas où mettre la tête. Parce que je me disais, mais comment l'homme peut être aussi méchant de penser que moi, je vais quitter en France en une soirée, aller empoisonner un ami, le tuer, pour apprendre un bac qui n'était même pas à lui. Un bac qui était en gérance libre. Je suis en France, je n'avais pas fait. J'ai pas fait. J'étais en 2015. J'étais à Paris. Guizou ouvre le bar et quelques temps après, son anniversaire, c'est le 2 octobre. Et il m'appelle, il dit, bon, écoute, j'ai ouvert le bar, en tout cas, ça commence à mousser. J'ai mon anniversaire le 2 octobre, mais je n'ai pas fait. Viens, prends ton billet, moi je gère ton séjour. Tu viens, moi je gère le reste. On va framponner un chou, parce qu'il y a longtemps, je ne t'ai pas vu. J'arrive ici le 25 novembre 2015. Quand j'arrive, c'est lui qui s'en vient prendre à l'aéroport. Et pendant qu'on est dans la voiture, bon, on cause, on rigole. Donc, moi, il ne me dit pas qu'il est malade. Ça, un peu, je crois qu'on traverse le pont, le nouveau pont, qui me dit, ah, c'est que j'ai un palu qui me fatigue. Mais ce qu'on va faire, je te dépose à la maison. Moi, je vais aller à la clinique. Et c'était la clinique Saint-Henriette, la 8e tranche ici. Je vais aller là-bas pour voir ce qu'il y a. Ça fait quelques jours, il ne me sent pas trop bien. Et moi, je le taquine, il dit, ah, t'as trop fort pour les jacques quand tu es fatigué. C'est la nuit, ça fatigue. Donc, t'as pas de problème. Donc, il remet mes dépôts à la résidence et lui part à la clinique. Et du 25, je t'ai dit bien, le 25 novembre 2015, c'est un vendredi. Vendredi, il est parti à la clinique. Samedi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai appelé d'abord. D'accord? J'ai dit, on t'a libéré. Il dit, non, les dames ont gardé pas. Ils disent que mon palu est un peu trop... la température est un peu trop montée, donc... Ils vont me garder. D'accord.
Donc, quand lui ont mis des sérums, lui, c'est pas lui, il est venu, il a dit, il a pas lu. Donc, les gars, ils ont regardé sa température, ils ont vu que bon, peut-être, ils lui ont mis des sérums. Et c'est là que sa santé a commencé à se dégrader. Le mercredi matin, je reviens tranquille. Donc, j'appelle notre ami en premier, le docteur Clao. C'est un ami, il s'appelle docteur Clao. Il peut témoigner. J'ai dit, mais, ah, je suis à la clinique, là. J'ai vu le médecin, là. Mais depuis, il ne me parle pas, il tourne, là. Il ne sait pas si c'est l'argent, il veut encore. Nous, on va pas lui donner l'argent. Hein. Là, on a déjà trop payé. Parce que sa femme a envoyé un peu d'argent et tout. Donc là, là on ne peut pas. C'est... On ne va pas nous demander de donner l'argent puisqu'on a donné l'argent pour l'ambulance. Et il me dit, d'accord, il faut couper. Je le rappelle pour voir où, comment on fait. 5 minutes après, il me rappelle. Il me dit, ah, je viens d'appeler le docteur là. Il m'annonce une nouvelle bizarre. Il dit quoi, il veut l'argent encore. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait une autre nouvelle qui arrive derrière. Et c'est comme ça, il me dit non. Il me dit Guizot a décidé. Comme la sanglia forte, 18% grand château. Ah, c'est un bon goût. Ça donne la puissance à tous les paramours. La sangria forte vous a offert Fafa.